Français à la petite semaine. Rachel Coramblit, Cécile Bonbon. Extrait. Mardi. Souvent, passé le boulevard Leclerc, on roule au pas sous un tunnel. Les fenêtres fermées pour ne pas se prendre dans les poumons l'air toxique des gaz qui s'échappent. Je plonge le nez dans la conjugaison. Le présent, c'est quand je suis dans la voiture. Quand on fait du 2 cm à l'heure avec la radio branchée sur les infos que papa n'écoute même pas. Il est trop occupé à bougonner et à vérifier le défilé des minutes sur le cadran de la montre du tableau de bord. Le passé, c'est quand l'homme n'avait pas inventé les voitures et la pollution. C'est un temps sans trou dans la couche d'ozone avec de l'imparfait. Sauf que c'est le présent qui n'est pas parfait. Alors, je me mélange un peu les pinceaux. Le futur, c'est tout à l'heure quand on aura dépassé le bout du tunnel et que je pourrai baisser un peu ma vitre. Il n'y a pas de S à la première personne, à la différence du conditionnel. Je pourrai baisser un peu ma vitre bientôt, avec un S à la fin, si on sortait un jour de ce boyau. Mais ce n'est pas sûr. J'essaye d'expliquer tout ça à mon frère. Le pauvre, il a les yeux qui se ferment. Le réveil matinal lui pèse sur les paupières. « T'en fais pas, mon vieux, » je lui dis. « Il est possible que nous ratassions l'école, au rythme où nous roulassions. » J'attends une remarque de papa sur l'usage irrégulier de mes verbes, mais il se contente de dire « Ratasser l'école n'est pas une option envisageable, pupus !»